Bon les amis, on est au col de la Bonnette et on va attaquer ces deux bâtiments là-bas. Et si on a la foi, on vient sur celui-là là-bas. Celui-là pardon. Voilà, on est arrivé. Waouh, donc je viens de redécouvrir les joies des orties. Voilà les gars. Donc ça c'est des orties. Bon ça fait pas de mal, hein, ça fait circuler le sang. Puis ça se mange aussi. Ouais, l'ortie c'est très bon. On peut manger en soupe, bouillie, cru en salade. On les achète finement pour ne pas se piquer la langue, bien sûr. Alors, on va sortir la frontale. On va mettre en gros. C'est quelle est la frontale sur la casquette, je ne sais pas ce que ça donne. Au pire, j'enlève la casquette. Bon, ça passe. On va monter un peu par le bas. Voilà, merci. Allez, on enchaîne. Ah tiens non, tu pardonnes, merci, super. On va t'assurer, en fait il a pris deux lampes, donc j'en ai une en plus pour moi. Voilà. Ah ouais quand même. Bon, attention au milieu bien sûr, attention au trou comme d'hab. J'essaie de faire des focus au max. Clairement c'est pas pratique parce que je suis en train de charger la cam pendant que je filme, parce qu'on a un cours de batterie. On a aussi un cours de carte SD. Voilà, c'est une petite porte en bois sommaire, il y a une pièce derrière. Oh, d'accord, c'est de la trine. Voilà, un morceau de fonte, ouais, c'était des chiottes en fait, complètement. Alors, ce qui est dommage sur ma cam, c'est que le focus il n'est pas automatique, donc je suis obligé de faire répétition. Voilà, donc là, on a un petit poste, ça va être un poste de garde. Donc on va lancer. Ah, là ça monte, donc je pense. Ah bah oui. Donc ça monte à l'étage. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer par celui. Cet endroit-là. Voilà. On va se rendre à l'étage, donc c'est le petit bâtiment qu'on a vu en haut. Quand on a déchi des sagouins, j'ai marché sur une canette. Ok, d'accord. Donc c'est pas on l'a vu tout à l'heure en fait. Donc, c'est plutôt bien conservé là. Sauf là, bon pardon, ça a été muré par derrière. Donc nous on est vu par là. Là c'était muré. Là c'est fermé, donc là c'est tous les postes de tir. On l'a vu. Un petit peu dehors. On va reprendre. Une petite surprise d'un passant. Un bon petit caca, attention là. Ils sont géniaux, les mecs, ils sont magiques. Donc là, on a des couches. Alors là, c'est rustique, hein, c'est du bois. Alors fais gaffe parce que les étés au plafond, c'est du bois. Donc au-dessus, il y a je sais pas combien de tonnes de terre. Donc j'espère qu'il y a du béton. Wow! Donc on a encore un poste de garde ici, avant que ce soit un trou, une cellule, je ne sais pas. Donc là, c'est accidenté. Donc là, ouais, je présume que ce sont des couchages, avant que ce soit pour déposer des armes, je ne sais pas. Enfin, c'est à la longueur d'un homme, en fait, chaque espace est à la longueur d'un homme. Donc je dirais que c'est des couches. Et il y en aurait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc déjà 12 hommes, ok. Quitter ici, apparemment, si c'est bien des couches. Ah oui, donc ça poursuit de ce côté. Donc, là, je crois que c'est quelque chose pour déposer. Ça, c'est un morceau de bois. Il y a des boîtes de conserve, butane, une bouteille de butane. Voilà, tous les déchets des sagouins. Apparemment, il y a une échelle et ça grimpe. Ah ouais, super. Oh, ça vaut le coup, je pense. Alors ça, j'aime bien le système de double échelle. On va essayer de grimper. Tiens, tu me fais une couvert de lampe. On va essayer de grimper. Voilà. Cette fois-ci, je peux appuyer. Avec un bras, hop là! En fait, quand je m'appuie là avec le coude, je sais pas si ça se voit pas trop.
Bon, je pense que je vais pas filmer le retour, les gars. Je filme juste la montée. C'est assez sportif là. Simplement le poste d'observation et de tir. Ça, ça tient pas, punaise. Hop là. Hop là. Alors, on se retrouve ici. Je vais essayer de filmer le global. Alors, on verra d'en bas où ça donne, parce que là, je n'arrive pas. Je pense que c'est le dernier poste. Je sais pas, parce que ça continue en bas. Ah, mais ça monte encore. Ouais. C'est pas là où je suis monté. Il y a à peu près la hauteur. On va pas très bien, désolé les gars. Ah, mais encore. Il y a encore un tour là. Donc là, je vais déposer le sac par contre. Parce qu'on n'a pas passé. Alors, hop là. Ça fait mal. Alors. Ah oui, d'accord. Oh punaise. Alors, écoutez. On est. Dans sa place d'observation, je pense, c'est mon avis. Je pense qu'il devait y avoir des snipers ici. Regardez, c'est tout fin. Ça fait un genre de triangle. On voit pas très bien parce que je peux pas prendre recul pour filmer, mais vous voyez les points de vue ici, très très fin. Très très fin. Et on voit qu'il y a des endroits là qui sont un peu pétés, comme si c'était pour passer un canon de fusil. Donc pour moi, je pense que quand on regarde. Quand on regarde l'angle là où ça pointe, donc ça couvre la vallée derrière la route. Donc je pense que c'est un poste de tir. Puis là, regardez, c'est propice c'est bon pour s'allonger, pardon. Et tenir un fusil avec une lunette. Donc je pense que c'était, ouais. Hop. Pour moi, c'était un poste de guet et surtout de tireur embusqué, quoi. Donc là-bas, je vais essayer de faire un petit focus. Si ça marche. Bon, désolé pour le zoom, hein, c'est un peu pourri, mais là-bas c'est les casernes qu'on a passé tout à l'heure. Et là c'est en retrait en fait. On est en retrait. Bon, là c'est d'où je viens. On va essayer de descendre. Je vais essayer de filmer d'en bas. Pour vous montrer un peu le dôme. C'est vraiment bizarre, c'est triangulaire. Hop là. Si je me vois trop avant. Bon, ça se voit pas très très bien, mais. Voilà, le tout est en pointe. Après, on va essayer de voir par l'extérieur ce que ça donne. Et là, donc, apparemment, ça s'ouvre. Ah, mais écoutez, on va sortir. Là, je m'en. On va sortir pour essayer de voir ce dôme de l'extérieur. Attendez, on va se retourner. Voilà, coucou. Je suis en train de peiner là. Je vous avoue, hop. Je pensais pas me mettre à quatre pattes en venant ici. Alors bon, on a fait celui-ci. Celui-ci, j'ai un doute. Je l'ai même pas vu celui-là. Attends, on est venu là-bas. On a fait celui-ci. En fait, voilà, on est rentré par là. On s'est retrouvé là. On se retrouve là. Donc je pense que la galerie continue vers là-bas. Donc là. D'accord, voilà le dôme avec les postes de tir. Donc à l'intérieur, où je vous parlais des snipers, vous voyez en fait c'est renforcé par une plaque métallique. Donc ça devrait les protéger. Dedans, apparemment, s'articuler. Donc on pouvait fermer cette plaque pour pas à leur tour se faire sniper de l'autre côté. Donc les trous qu'on voit là, c'est peut-être des impacts de balles. C'est peut-être les balles qui ont fait ces trous. C'est pas impossible. Donc on va voir par le dessus. Voilà, vous voyez ce dôme en triangle. Un peu de hauteur, je sais pas si c'est quelque chose en bas. On va voir, non. Oui, apparemment, il est peut-être d'accord. Donc, ça continue parce que la galerie continue. Il y a oh là, il y a du béton en bas. Là, je sais pas si vous voyez ici et ici. Donc, la galerie doit continuer par là
Et je pense qu'elle doit rejoindre là-bas, à moins que ce soit indépendant, donc on va voir. Donc je vais retourner à l'intérieur, je vais rejoindre mon binôme, donc je coupe, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, ça prend, donc je vous ai épargné la descente. Je vous ai épargné ça parce que j'ai un peu souffert d'ailleurs. Donc là, on va continuer. Alors, attention, attention les pieds, te fais qu'une cheville, hein. Ça va très vite. Alors... J'ai dit une bêtise, non, j'ai pas dit de bêtises, mais on dirait que c'est, bon, c'est bien du bois, mais on dirait que c'est du bois qui a été cimenté. C'est pour ça que ça a tenu. Donc là, deux directions, gauche et droite. Ah, encore une échelle. Écoutez, on va partir dans ce sens-là. On fait bien gaffe, là c'est déjà plus humide, hein, je sens la fraîcheur. Donc là, c'est notre délatrine. Parce que le bois est vraiment bien conservé, je sais pas le coup il traitait à l'époque, hein, mais... On me dit, eh bien, t'as les bons. On était parti là-dessus. Donc là, c'est des réservoirs. Sur le stockage d'eau, on fait cette part un peu petit pour... On découche aussi. Donc on est à 12, 14, 16, 18... Ouais, une vingtaine d'hommes pour l'instant. Et là... Ben, je sais pas, peut-être un trou, peut-être le trou, hein. Pourquoi qu'il n'y a pas du cadre, ça doit être le trou, je pense. La prison. D'ailleurs, ces chambres-là, ces chambres-là, c'était peut-être la prison, je sais pas. Le cachot, quoi, pardon. Là, le mec qui était là, il était puni parce qu'il n'y a pas de vue. C'est toi qui as fait le bruit ? Je m'as fait flipper, là. Je vais changer la culotte en rentrant. Bruit de résonance, il m'a vraiment fait peur. Je sais pas ce que c'est, ben pareil, c'est pareil, ça on dirait des cachots. Petite porte comme ça, là franchement, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, grenade, non? Ben c'est beau. Donc c'était la réserve de grenade apparemment, si c'est bien d'époque. Hein. J'ai des manivelles par terre. On regarde le toit, donc là, des couches. Là, ça avait l'air un peu plus luxueux. C'était un peu sommaire quand même, hein, les gars. Le mec, il devait quand même en chier. Hein. Là, c'était peut-être dégradé. Pardon, les tables pliantes. Et le pain a vraiment bien tenu. Quoi. Apparemment, c'est du pain, mais je sais pas avec quoi il traitait. Donc, hein, franchement, mais regarde, le bois, il est intact. C'était pas de la daube. Hein. Il savait qu'on fait à l'époque. Là, fumisterie avec une turbine, c'est tombé, là c'est une merde du zinc. Et donc là, je pense qu'on était sur une salle d'obusier. Il y a une vue et un tireur. Et là, vu la forme conique, en fait, je pense qu'il y avait un canon, comme on l'a vu dans les bunkers un peu plus loin. On va essayer de sortir un peu la vue dehors. Ça défendait cette zone en fait. Là-bas, je crois que c'est l'Italie, si je dis pas de bêtises, hein, puisque ces fortifications nous ont protégé les Italiens, enfin l'arrivée italienne. Parce que les Italiens faisaient partie des forces de l'Axe. Bon, si je dis des conneries, vous me reprenez, hein, parce que je suis pas historien, mais bon, je me base sur ce que j'ai appris à l'école. Ça remonte à très longtemps, donc. On a fait. Donc là, il n'y a pas de risque de se perdre, c'est très petit. Qu'est-ce que c'est ça? Les charnières. Charnières d'époque. C'est fou ça, c'est une tête de mort. Alors, excusez-moi parce que j'ai la lampe dans la bouche, on dirait une tête de mort taillée dans un os. Moi je ramasse ça comme ça avec les mains, c'est assez flippant quand même parce qu'il y a beaucoup de dégénérés qui viennent faire des messes noires dans ces deux-là.
J'espère que c'est pas un truc sataniste, que c'est pas un truc, c'est pas un os humain. Ah, donc là apparemment il y a un os aussi, il y a des os. Bon, on va poser ça là, je vais pas le garder. Donc là il y a des os. Si jamais, si vous y connaissez, vous savez à quel animal ça appartient, si c'est bien un animal. Là il y a des os ici. C'est un peu flippant quand même, moi j'ai touché ça comme ça. Là. Il se passe des trucs un peu bizarres ici hein, quand même. Heureusement, pendant la période de Covid-19, j'ai heureusement voilà, mon gel hydroalcoolique dans la voiture. Donc les courants, je vais en passer sur les doigts. Là c'est quand même flippant quoi. Les mecs ils ont fait une tête de mort dans un os. Donc là-bas on a fait, c'est là-bas qu'on n'a pas fait. Donc là, il y a un réservoir, une petite bière. Bon, quand je vais en haute montagne, je vois qu'il n'y a pas de l'alcool. Hein. Là, c'est un endroit où il faut rester vraiment sobre, vous voyez. Ça peut être vite dangereux ici. Encore une bouteille de gaz. Et certainement un cachot. Donc là. Alors. Les déchets, pardon. Et on regarde un passage par là vite fait. Donc là, ça descend durement. Donc ça doit aller, aller au bunker. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? J'ai mon binôme qui montre quelque chose, bon ça c'est des caillasses. Alors est-ce qu'il monte là-haut les gars ou pas? Bon je suppose que vous dites tous oui. Tu m'éclaires? On va voir vite fait si ça vous coupe hein. Parce que j'ai le câble là qui le câble de charge qui m'handicape un peu. On va essayer de faire ça vite, parce qu'à chaque fois que je monte, je laisse mon binôme tout seul. Il a un peu peur. On va aller voir vite fait, mais je pense que ça doit être les deux petits bâtiments qu'on a vu tout à l'heure en contrebas, c'est ça. Tu veux monter? Allez. On monte, on monte. Bon, ça vaut le coup, je sais pas, on va le voir vite fait. C'est assez étroit. Ça me fait voir un peu la lumière du jour comme ça. C'est bon qu'on est, je pense que pareil. Il y a vraiment un calme aussi. Ouais, donc c'est le petit truc qu'on a vu là. Je viens d'avaler une bestiole là quand même. Des rations, ici pareil. Ça va un petit peu la vue, on va se tourner. On va redescendre. On continue, donc là par contre je pense qu'un petit moment ça descend grave. Mon avis on va sortir de l'autre côté. Alors celui-là, il est flippant les gars, si vous regardez, là c'est dans la roche. Il y a juste cette petite voûte en haut là. J'espère que c'est stable. Hein. Voilà, là faut sol quand même. C'est arrivé à me faire un backup avec la lampe, je sais plus. Ça fera ça en plus parce qu'on voit rien là. Là on s'enfonce, hein, on s'enfonce. Ça descend grave. Je sais pas si vous voyez. C'est de bien cadrer devant. Là. Merci. Putain, c'est angoissant. C'est long. Oh, ça l'aide. Alors, je crois que c'est un des tunnels les plus longs que j'ai jamais fait. Que c'est ça, c'est du bois cramé. Ah, on voit la fin. Ah, punaise, ouais, il est vachement long celui-là. Alors là, par contre, bizarre, il n'y a plus d'écho. Si on retouche le focus, encore une turbine. Hein. Donc là, on est sur une vieille échelle rouillée, pardon.
Ça grimpe, minute, donc je pense qu'on arrive dans l'autre bâtiment là. Voilà, joli spécimen dernier. On dirait une faucheuse, mais elle est énorme celle-là. C'est les pattes qui sont énormes en fait. Allez, on va continuer. Hop là. Donc, j'espère qu'il est ouvert, comme ça on se retape pas ça en arrière. Et je crois qu'il n'est pas ouvert. Ça c'est vraiment pas de bol. Voilà. Hop. On se retrouve dans un bâtiment fermé. Donc on ne va pas pouvoir sortir par là, c'est mort. Donc toujours la même vue. Donc on est bien dans le bâtiment d'en face, celui qu'on a vu tout à l'heure. Les lucarnes sont fermées. Je ne sais pas si on peut en dévisser, mais l'autre. Et là, regardez les gars, on est en prison. Voilà, c'est fermé. Donc, tout ça pour ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert, ce truc-là. Est-ce que c'était le support à canon, je sais pas. Oh, wow, wow, wow. Je fais prendre ça dans la gueule, quand même. Donc là, je présume que c'est pour, certainement pour jeter des grenades. Et là, donc, c'est une meurtrière classique, mais c'est là où on peut s'allonger, donc je pense qu'on peut y sniper. Il devait y avoir un sniper ici aussi. Bon, voilà. Bah, écoutez, on va se retaper le chemin à l'envers. Donc là, je vais couper, puisque je vais vous épargner la descente. Et le couloir, en fait. Hein, vous l'avez vu à l'aller, ça sert à le voir au retour. Et on se retrouve un peu plus loin. Voilà, les amis. Donc, on vient de sortir. Donc, en fait, on est rentré par là. On est sorti par là. On est sorti par là-haut. Là-haut, donc je suis sorti par la petite lucarne et c'est où il y a le poste de sniper. On a traversé tout ça en souterrain. Et on est ressorti là-bas. Attends, désolé pour le focus, hein, c'est manuel. Voilà, on est ressorti par là. Et donc ça défend toute la vallée là. Derrière. Plus là. Donc là-bas. Un petit peu, même si c'est dégueu. Là-bas, c'était les casernes. Donc du coup, maintenant, on va aller faire celui-là. Donc, on se retrouve là-bas. Je vais vous épargner le trajet, parce que ça a l'air assez long. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on est presque arrivé. On a grimpé sacrément. Ça et on a la voiture là-bas, c'est le, si vous voyez, le petit point rouge là, on y est. Alors la construction de celui-là est bizarre, elle n'est pas comme les autres, ça fait plutôt château fort, une grille en acier en tôle. Il y a une porte qui doit être fermée, je présume, puisque il y a un passage par là. Il y a des poutres en bois avec la terre au-dessus, donc ça n'inspire pas confiance. Apparemment ça s'est boulé. Je n'ai pas d'autres interdictions. Je présume que c'est pas recommandé, mais bon. Alors génial, c'est un champ d'ortie. Donc moi je suis en short. Alors c'est magnifique là, cette architecture là, franchement. Regardez la charpente. Alors ça doit avoir 90 ans, 100 ans, voire plus, hein, parce que il y a certaines bâtisses ici en fait. Certaines ont été bâties en 1880 et des poussières. Et ensuite elles ont servi pour la Première Guerre mondiale. Elles ont été modifiées pour la Seconde Guerre mondiale. Il y a des bâtisses qui n'étaient pas en béton armé et qui ont été modifiées avec du béton armé autour. Donc je ne sais plus trop lesquels, hein, mais et là cette structure en bois. Attendez, il y a. Oh, wow, je me mange un ortie dans la jambe droite. Pourquoi ça? C'est un peu plus de 100 ans, quoi. Et c'est toujours là, quoi. C'est toujours là. Donc là, je vois qu'il y a une inscription gravée sur la poutre.
Ah oui, quand même. Donc vous voyez, le 10, 8, 38, Noguera, 1 de l'Estaque. Alors ça, c'est beau. Si c'est réellement de 1938, c'est beau. L'Estaque, je crois que ça c'est vers Marseille, si j'ai pas de conneries. Hein. Ne tuez pas trop dans les commentaires, hein, mais Noguera, 1 de l'Estaque. Ok. Là, il y a deux transcriptions, mais ils sont un peu plus tardives. Je vois 2011, si c'est bien ça. Et celle-là, voilà. Donc ça, c'est là depuis 1938, apparemment. Donc c'est toujours debout. On va faire gaffe quand même que ça s'effondre pas juste aujourd'hui, quoi. J'aurais vraiment pas de bol. Donc là, quand on voit un sol comme ça, il y a des bougies. Je pense que ça doit accueillir le bétail, ça, en plein hiver. Je vois qu'il y a un feu. Normalement, je crois que les seules personnes autorisées à faire du feu et à bivouaquer ici, ce sont les bergers du coin. On a un truc de 2001. Tu as la lampe? On va s'en tuer là-dedans. Bon, par contre, j'ai que la frontale, donc j'espère que c'est pas. J'ai le binôme qui est resté dehors, en fait. Il a eu peur des orties. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. On trouve toujours les charpentes en haut. Meurtrière. Donc là, ça grimpe. On va aller voir. Ouf, punaise. J'ai pas de prise. Voilà. Ah, donc on se retrouve sur le toit. Donc moi je viens de là. Donc là, je vous avoue que je suis pas serein parce que je sais que ça tient juste par une charpente en bois. Ah ben, j'aurais pu passer par dehors aussi au final. Bon, c'est pas grave, on y est. On va aller voir cette petite guérite, on va faire gaffe. Ça va? Ah, on est au binôme si ça l'est. Donc, on la ferme, voilà. Ah bah, bizarrement, j'ai le réseau qui arrive, alors que j'avais plus de réseau. Je pense que vous avez dû entendre la petite clochette. C'est vraiment magnifique. Et là, moi, ce qui m'intrigue, c'est cette petite guérite. Est-ce que je prends le risque ou pas? Bon, je me fais massacrer par les notifications réseau. Hein. J'avais pas de réseau de la matinée, j'ai tout qui arrive d'un coup. Voilà, donc on y est. J'essaie de faire gaffe sur le retour. Alors, je vous avoue, je préfère tomber à gauche qu'à droite. Après, je préfère pas tomber tout court. Hop, voilà, c'est bon. Donc, rien de spécial ici. Je pense qu'on va faire une pause pour casser la croûte. Je pense qu'il est. Il doit être 2h, enfin 14h. On n'a toujours pas mangé, donc. C'est une petite halte. Bon, écoutez, moi je vais redescendre par là et je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, on a cassé la croûte. Hein. Donc voilà, donc bon, petit fort, visite très rapide et plaisante. Hein. On a beaucoup profité du paysage. C'est surtout ça qui est magnifique. C'est ce cadre. C'est plus que ce qu'on a visité, quoi. Bon, c'est quand même sympa, ça fait un petit bout d'histoire, mais. Voilà, ça
ça vaut tout l'or du monde ça. Et là, boum, on se redirige tout en bas vers la voiture. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, ben, les copains, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, salut, ciao, ciao.